D'importantes évolutions en matière sociétale et environnementale sont à l'œuvre et appellent à une transformation de l'action publique. La nomination de la métropole européenne de Lille, capitale mondiale du design en 2020, est l'occasion de partager les multiples expériences de transformation qui s'appuient sur le design. Compétente en matière d'aménagement de son territoire, la métropole européenne de Lille expérimente en effet des démarches de projets mieux coproduites avec les acteurs locaux, plus créatives dans la prise en compte des usagers, plus soucieuses des enjeux environnementaux. Il s'agit d'innover dans les modes de faire pour donner le sens collectif à l'action et amener de nouvelles réponses. C'est ce que la métropole européenne de Lille, en lien avec les communes, a souhaité mettre en œuvre avec le projet Bordedeule. À deux pas du centre de Lille, le secteur dit des Bordedeule se situe de part et d'autre des rives de la Deule. Il traverse les communes de La Madeleine, Saint-André-les-Lilles et Marquette-les-Lilles. Autrefois dédié aux activités industrielles, ce site de plus de 400 hectares se transforme en un quartier mixte dans lequel pourront être construits à terme plus de 6000 logements, soit l'équivalent d'une ville de 15 000 habitants. Collectivités, bailleurs, promoteurs, habitants et usagers se sont réunis en atelier pour partager leurs expériences, leurs attentes et leurs perceptions de ce projet. J'ai l'impression que ça m'apporte aussi, et puis on apporte des points de vue différents selon nos compétences. Donc oui, un échange intéressant dans les deux sens. Comment passer de la Deule d'hier et d'aujourd'hui à celle de demain? L'utilisation des méthodes du design thinking a permis de croiser les regards sur ce territoire et de décupler la créativité et l'émergence de nouvelles idées. Après 9 mois de co-construction, cette communauté citoyenne a abouti à une vision commune des bords de Deule et à 180 solutions concrètes. Le récit partagé de cette vision s'exprime en 5 ambitions. La Deule, le lien de nature pour les métropolitains comme pour les riverains. Une ville habitée qui répond aux besoins de tous les ménages. Une ville qui garantit la qualité architecturale et urbaine. Une ville animée. Une ville accessible par des déplacements durables. Une expérimentation riche d'enseignements, efficace dans sa capacité à créer du lien et à produire des réflexions concrètes. D'autres démarches de ce type voient le jour pour impliquer davantage les citoyens dans la construction de la métropole de demain, une métropole plus humaine et plus éco-responsable.